Bonjour à tous, c'est Mélio, c'est une nouvelle vidéo de Gimmick et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'univers incroyable de Super Smash Bros Ultimate qui regroupe tous les univers que vous connaissez de Nintendo. C'est incroyable, c'est très long, c'est très consistant et c'est cool. Donc, vous pouvez hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires. On continue la zone de Zelda qu'on avait commencé. On continue la zone de The Legend of Zelda qu'on avait commencé la dernière fois. On avait vu la Master Sword, une des Triforce, enfin un les différentes statues de Hibou de Ocarina of Time qui nous donnent des indications pour débloquer des choses. Et il faut qu'on finisse donc cette zone pour peut-être battre, je dirais une Ganondorf à tout hasard. On verra comment ça sera, j'espère que ce sera stylé. En tout cas, comme a dit Kim, faut pas hésiter à nous dire que vous aimez ce genre de let's play. Voilà, c'est ça. Et du coup, là, Guillaume est en train de se battre avec, avec Yoshi XXL. Toujours... Voilà, il va... Ah, bah il est en PV, d'accord. C'est PV. Oui, c'est PV. Voilà, bien joué. Et puis voilà, donc on avance, et puis bah il y a toujours du contenu, donc c'est cool. Ouais, on n'est pas en train de tourner cool, en rond, on est en train d'avancer tout le temps, et j'ai l'impression que ça va jamais finir. Ouais, j'ai l'impression aussi. Mais c'est cool. C'est positif. Ah oui, c'est positif. Ah tiens, une statuette. Est, sud et encore vers le sud, le chemin invisible t'apparaîtra. Ok, est, sud, encore vers le sud. Catouille. Ah écoute. Ah, il y a un hibou là. C'est limite, il avait déjà essayé en légende. Mais j'ai eu Wario Man. Ah oui. Et c'est un rouge. Ah, t'avais pas de rouge. Si, si, mais je pense qu'il est pas mal celui-là. Celui qui a 3 emplacements, non? Je sais plus. 10 000. Il y a 3 emplacements, c'est pour ça que je le veux. Ouais, voilà. Je le veux dans mon équipe. Oh là, hop, hop. Anti-brouillard. Et on va faire un petit truc basique comme attaque et vitesse si un dame, tiens. C'est pas mal, c'est pas mal parce qu'il y a du contenu. Bon, là on sait pas trop ce qu'il vient faire Celebi et Mewtwo dans la forêt Kokiri, mais bon. Ouais, mais votre santé diminue tout le temps. Ah, il t'a fleuri. Ouais, t'aurais peut-être dû mettre. Brouillard, si j'ai pas brouillard, je vois rien. Ouais. Après, ça va. Du coup, c'est vraiment Pokémon là. Oui, parce que tu t'as un Celebi et avec. Tu dois battre un Mewtwo. Et avec Félinferno. Et avec Félinferno, ouais. C'est pour ça que je dis ça. Il s'est téléporté. Il a mis ce clic. Ouais. Ah, guérison automatique. C'est pour lui, c'est un guérison. 3. Hein? Oh, mais ça se trouve, ça te régénère de ouf. Tous les... Attends, t'as pas lu la fin. 5 secondes? Ah, mais ça régénère plus alors, peut-être. Ouais. 5 secondes, c'était déjà 5 secondes les autres. Ah, oh, c'est stylé, un nouveau guérison. Et donc, en haut, il y a... Astrid. En haut, il y a un... Je peux aller. Ah si. Bah c'est là envers l'est hein, de toute façon. Ah Mickey. Ils ont dit vers l'est. Non mais c'est immense. Sol brûlant hein. Sol brûlant. Ah mais j'ai toujours pas. J'ai toujours pas. Ouais. Avoir s'atteler à trouver un anti-feu quelque part. Ouais. Shulk. Ça serait bien. Donc Guillaume. Ah ouais, oh la vache. Ah, ça va être impossible. C'est des PV en plus. Si, après, c'est pour ça qu'ils t'ont mis guérison automatique. Ouais, je suis un warrior. C'est dommage. Ouais, je pense que je peux réussir. Tu peux réussir. Ouais, je leur fais mal. On va essayer. On va essayer ce stage de donc la mort. Donc Shulk, Guillaume l'a débloqué à la fin de l'épisode d'hier. Oui. Ah oui, c'est vrai. Enfin, après qu'on ait fini, en fait. Ah oui, j'ai eu aussi Chrome. Amphinobi. Ah ouais, donc il te reste plus que deux, alors. Ah mais... Bah, je fais n'importe quoi. Ouais. Voilà. Wouh, c'est bon. C'était un peu long. Un peu long. Mais ouais, ça, je voulais le faire parce que je pense que ça débloque un truc intéressant vu que c'est un vétéran. Et puis c'est embêtant, j'ai toujours pas le anti. Ouais. Pourtant, t'en as fait plein hein, des esprits. Hein. T'en as plein en double. C'est incroyable. Donc je voulais aller par là, justement, parce que je pense que ça. Oh, il a volé en plus.
C'est l'instant de la vidéo. Attends. J'ai plein de Skull Kid. J'avais Skull Kid. Ah, bah stylé. Depuis le temps. Depuis le temps qu'on l'attendait celui-là. Surtout qu'on s'y attendait pas, hein. Bah non. Il y a du brouillard. Bah c'est ça qui est bien, c'est qu'on découvre vraiment le jeu et il y a toujours, toujours du contenu. Ah, il va être en costume Skull Kid, tu vois. Ouais, ouais, je sais. C'est ça que j'ai loupé. Et dans la boutique, on peut l'avoir des fois. Il est trop bien. Il est trop bien. Mais tu peux carrément jouer avec en fait, quasiment presque. Ah oui, on est invisible, c'est ça son trophée. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Je l'ai. Parce qu'en fait, j'ai joué avec, avec mes frères et là, je vois, je fais Skull Kid, trop bien. Et il est invisible. Oh, mais regarde comment c'est trop beau. On dirait que tu joues Skull Kid. Ouais. Bon, on prendra ça, on jouera toujours avec ça. Évolution niveau 99, donc je pense qu'on va le faire évoluer. Bah oui. Et évoluer en quoi? En bah, Skull Kid, je pense, mais en version masque Majora, quoi. C'est les bois perdus, du coup. Hein. Ouais. Oh, le masque de Shake. Le masque de Shake, c'est trop stylé. Ah, bah. Comment on fait pour aller là-bas? En fait, ah, il y a un bout de bois. Oui. Tu dois avoir un des... Attends. On va améliorer Skull Kid. Non, c'est... Oui, esprit. Pourquoi tu dis, toi, tu savais? Parce que les gens, ils ont tous spoilé dans les commentaires. Qu'il y avait Skull Kid ici? Ah non, 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 je savais pas qu'il était là. Non, je sais comment il évolue. Ah, tu sais comment il évolue? Oui. Bah, il évolue avec son masque de Majora. Après, c'est tellement évident. Donc là... Parce que je suis pas dans le bon menu. Non, je suis pas là pour les améliorer. Ah oui. Après, je vais le faire quand même, mais... Boum! Niveau max. 6100, c'est pas mal. Hein. Évoluer en vétéran, tu penses? Ah ouais, bah c'est le classique. Ouais, voilà. Classique de Skull Kid, quoi. C'est l'illustration qu'on voit partout, c'est les statues qu'on a. Oh, légende! Oh, il draine de vie. Il pique de la vie à l'adversaire. Ah, stylé, je pense. Stylé. Ah non, ou alors drain de vie, ça t'enlève de la vie à toi pour l'utiliser, peut-être. Je non, sais pas. Non, je pense que c'est le contraire. Oh, mais X détail. Soigne l'attaquant en fonction de dégâts qu'il a. Oh, c'est incroyable! Ça me soigne, donc je mets ça plus soin automatique, ouais. Je perds pas de vie. Bon, bah, on va le faire évoluer. Il est beau, hein. 11400, mais il est trop bon. T'en avais des verres, légende? Mais oui, Diancie quand même. Ah oui, mais après, oui. Il a que 2, donc je peux mettre le soin à 2. C'est-à-dire. Meloetta ou Elisa. Elle, Elise. Donc là, quand je tape, je me soigne, et en plus, je me soigne automatiquement tous les temps de temps. Il est stylé. Il va mal. Skull Kid. Ouais. Bon, je voudrais avoir le personnage aussi, mais il n'y est pas, malheureusement. Tiny Kong. Il y a forcément un truc dans la forêt, non? Trop bien. Donc on jouera pas Skull Kid parce que c'est pas le bon atout. Bah de toute façon, on va tout faire, hein, puis on verra bien ce que ça nous débloque. Ouais. Il a l'air d'être long, ce... Skull Kid. Ah, je dirais, l'illustration est sympa, mais en même temps, c'est l'illustration ultra basique de Skull Kid avec le masque de Majora. Bah la première, non, du coup. Non, la première, non, elle est pas mal. D'accord. La première, elle est pas mal. Faut que t'arrêtes avec cette attaque. Hein. Ouais, faut que j'arrête avec cette attaque. La première, elle est pas mal. L'illustration, justement, sans son masque de Majora. Oui. Mais l'autre. Mais je trouve ça logique qu'il évolue. C'est bah, bien. Ah oui, c'est bien. Ouais. En plus, en légende. Hein. C'est une légende. Fais pas cette attaque. Bah si je suis bien, c'est bon. Hey, petit. Ah, j'ai déjà fait lui. Viens par là, gros. T'as dit qu'il était petit? Tu l'appelles gros? Bah, c'est des gros. Ah, t'avais du temps. Il s'enfuyait. Vétéran, soutien. J'ai déjà eu. Sur les certains. Oui, c'est possible. On a beaucoup de doubles. Après, on en a tellement des esprits que... Ouais, on commence à... Bah, 320. Donc là, à gauche. Mais non, Woodman. Mais... Je pense qu'il n'y a rien ici, en fait. Mais si, il hein. Si, y a un... Ah oui, mais il faut débloquer... Je pense qu'il faut débloquer quelque ça, chose. Donc il faudrait aller peut-être... Peut-être en haut? En haut, il faut aller en haut. Numiki. On va aller en haut sans passer par là, parce qu'on ne va pas non plus tous les faire. Donc là, il faut que tu ailles en donc, haut. Donc c'est par là, et le chemin... Ah voilà, ça va être au-dessus, je pense. On va continuer à avancer. Donc Marie, avec Katou et Cathy. Katou et Katou sur un bateau. Ah d'ailleurs, on a eu des retours en fin de la vidéo avec Killer, avec les jeux de oui. Simon et Killer. Il y en a un qui est exceptionnel, on va vous le dire. Ouais. C'est Simon personnage. Attends, je sais plus. Incroyable. Et... Très très bon jeu de mots. De la part de Morph. Étonnant. Oh, rigole. Non, elle trouve des trucs bien. Bah justement, c'est pas étonnant. Bah oui, c'est... Simon personnage est mal en point. Tiens, un petit brouillard, regarde, brouillard. Ah vache. On voit rien. Et t'as pas d'entrée brouillard? Non, pas là. J'ai oublié de mettre.
Elle va prendre ça. Si mon personnage est mal en point, faut pas qu'il erre près du boss. Voilà. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment un bon jeu de mots. Je pense qu'on l'aura pas trouvé. J'étais parti sur si mon personnage aussi. Ouais, si mon personnage. Faut pas qu'il erre près du boss. Ouais, c'est bien. Pas mal du tout. Tiens, attends, y'a un hibou, y'a un hibou, y'a un hibou au-dessus. La jeune fille qui attend un ami te mènera au courage. Et là, y'a pas un endroit où tu peux passer? Bah, logiquement, si. Hein. Là, ah là. Ah, voilà. Bah non, c'est Mimiki. C'est Mimiki. Mais c'est quoi ce délire? Oui, bah continue. Est-ce une et encore vers le sud. Continue. Mais y a pas de continue. Y a rien après. Comment tu sais qu'il y a rien? Bah c'est vers le volcan. Bah oui, mais faut peut-être y aller vers le volcan. Faut tout faire de toute façon. Ouais. Elle est apparue où là, le triangle de la Triforce? Elle est apparue en haut? Oui. Bah faut peut-être y aller. Non. Faut débloquer les deux. Ça change de... Oh là. Ah, il a des PV. Ouais, je peux le péter comme ça aussi. Mais non, pas dans ce sens-là, espèce d'idiot. Là. Il fait un peu mal, hein. Mais c'est le fer létal, c'est normal. Ah oui. Je le grabe. Il est très fort. Oh là oui. Ça s'arrête plus. Si j'avais faim. Je t'ai dit que j'avais faim. Tu crois que je suis rigolo moi, c'est ça? Oh la vache. Vous avez pas entendu. Ou peut-être. Ah oh, mais j'ai entendu, ça dure au moins 2 minutes. J'ai faim! Donc c'est la Triforce. Ah! Ah! Ah non, c'est quand on est rentré ça. Non, c'est pas quand on est rentré. Quoi? C'est Mai! Je suis celui par qui la vérité est dévoilée. Tu vois, elle est là, la Triforce qu'on a eue. Elle ne veut pas y aller. Non. Ah si, on est arrivé si, par là. Si, on est arrivé par là, quand même. Ah oui, on est arrivé par là et il n'y avait rien au début. Ah oui, c'est ça, on est arrivé par là. Bon. Qu'est-ce que c'est bizarre? La... Ah oui, c'est ça. Tu vois, la sagesse et le courage. Donc, il faut trouver la sagesse et le courage. Ouais. Donc on va revenir par là, puis ça se trouve c'est par là. On n'est pas allé en haut, je crois. Hein. Si on a fait tout en haut, si on a fait. Hein. Ah, tout en haut. Si ouais, on a fait. Fait. On a tout fait. Ah, il y a un coffre. Ouais, bon, bref. Ah oui, mais c'était ah, pas mais la légende. Ça se trouve, c'est un coffre important. Ah non. Zenban. On va le prendre. Donc ça se trouve c'est un coffre important. Mais j'ai pas utilisé. Ah si. Skull Kid contre Duban. Danban. Danban. Épéistemie, du coup. Voilà, c'est quoi cette épéistemie? Ah non, c'est Shulk. Bah! I'm dead. Mais je voulais prendre des dégâts, donc c'est très bien. Ah, le Xenoblade, c'est stylé avec ce petit bonhomme. Oh là, il fait trop mal. 4%. Ah, il a l'épéistemie. Regarde, quand je tape, normalement je suis à 10%. Tu tapes en fonction de te... Ouais, quand je fais des dégâts. Regarde. Non, je tape et je remets de la vie. Là, ça m'a soigné avec mon guérison automatique. Normalement, je récupère de la vie, voilà, 0,5 déjà. Ah oui. Ouais, c'est pas très puissant, mais ça, tu vois, ça récupère avant. Là, ça m'a soigné, mais avec guérison automatique, mais j'ai du drain aussi. 10,4, guérison automatique. Et là, 7,1. J'ai perdu, ah oui. J'ai 6,7. Je donc récupère du 0,5. Plus ouais. Je tape, plus je récupère de la vie. D'accord. Bon, il va bientôt être mort, le petit. Tu vas voler, ouais. Allez, petit. Voilà, c'est bon. Victory. Donc, on retrouve avec 1%, non, c'est incroyable. Mais en Vétéran. Fait, on va faire ça en 2 vidéos, là. 4 vidéos. Ok, 6 vidéos plus tard. Mais fallu! C'est des sphères de talent. Oh, oh partie, elle évolue. Elle évolue. Je tiens les esprits améliorés. Elle évolue. Donc là, je peux aller par... Tu commences à avoir pas mal de légendes, hein. Oh, il évolue!
Et là, elle évolue. Il évolue en Link Between Worlds, parce qu'en fait, ça, c'est la version perturbée de Between Worlds. C'est ça. Donc, il évolue en Link. En Link normal. Voilà. Enfin, Link de Into the Past aussi, qui est le même, du coup. Bam! Il est pas mal. Il est beau celui-là. Ouais. C'est un vétéran, je crois. Vétéran. Attaque avec arme augmentée. On peut faire... Ça, on l'a fait évoluer. Ouais. Primo Goron, Bilbaul, on l'a fait. Bon, lui, fait c'était évoluer. Lui. Ah, c'était Dracula. Dracula, ouais. On n'a pas fait évoluer lui, on peut. Oh non. Bah si, pour voir à quoi il ressemble. Tu l'aimes pas, toi. Si, j'aime bien. Voilà. Bah, ça va être lui, mais en version avec les coquilles, là, partout, là. Ah non. Oh, il est ignoble. Ah, c'est la reine. Légende, légende. Il fallait pas une légende bleue? Si. Bah voilà. Bilbaul bourrin, ça c'est bon, ça c'est bon. Et on manque plus que cela à faire évoluer, ouais, les 5 d'en haut. Oui, bon, c'est bon. Pas des univers qu'on apprécie plus que ça. On pourrait faire évoluer lui, ça se trouve des gens aiment bien. Je sais plus c'est quoi comme univers, mais bon, on va le faire. Peut-être un jour, voilà. Je pense qu'ils vont être en mode guerrier ou adulte ou genre puissant, voilà. C'est ça. Adulte. Eux adultes. Ah, ils sont stylés. Ah, ouais. Bah si, c'est Fire Emblem ça. J'y ai aussi ça, ouais. Parce que je crois que je l'ai eu le personnage dans. Bon, allez, on continue, on va aller voir s'il nous faut d'autres là. Donc, fallait bien le faire parce qu'on a quand même Link. Donc, là, mais je pense qu'il faut faire l'énigme, il doit avoir un truc invisible en fait. Sud et encore vers le sud. Ah, c'est là, je le vois. Il est après, je crois. Tu penses? Ouais. On va regarder celui-là. C'est Overcheat. Je m'en fous, c'est Skull Kid. Contre Woodman. Woodman, donc avec Megaman vert. Ah, t'en as plusieurs, t'en as deux. C'est des PV. Bon, ça va être facile. Tu leur fais un mort de dégâts. Mais c'est normal, je suis avec Skull Kid. Ah oui, t'es avec Skull Kid. Un de moins. Bien joué. Bien joué, bien joué, bien joué. Ultra Smash! Premier pro. Tu l'as vu, tu penses? Ouais, après en bas et à gauche. Enfin, à gauche et en bas. Ah là! Je peux pas aller. Là, j'aurais dit là. Ah non, pas là. Mister Luigi! Pushy! Contre Mister Luigi! On va pas trouver. On est condamné à errer dans la map de... Bah c'est dans les voies perdues, hein, mine de rien, donc c'est oui, normal. Oui, dans les voies perdues, ouais. Tu erres dans les voies perdues, pauvre Luigi. Bien joué, c'était rapide. Bam, 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 boubadaboum, bim, bim. Non mais c'est où, c'est pas possible. On va tous les faire, hein. Tous. Tous. Ouais, Luigi Mansion en 2002. Peut-être là. Ils disent est, puis vers le sud, ouais, y a pas de puis vers l'est. Ah, c'est peut-être par là. On va tout débloquer ouais, parce ouais, que c'est forcément ici. C'est forcément quelque part dans cette zone. Je vais laisser anti-brouillard, quel idiot. Palutena de Kid Icarus. C'est Fire Emblem. De Zelda, non? Oh! 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 Dégâts intempestifs. J'avais pas vu. Bon, il arrête de grogner ton ventre. J'ai eu faim. Oui, bah tiens, je crois. Ah, j'ai pas mangé de céréales ce matin, du coup, c'est peut-être moins consistant pour le coup. Et ouais. Il y a un truc là-haut. Mais là. Oui, là-haut, là. Ah. Ah, ah. Ah, là. Bon, on va débloquer les rails, ça se trouve, ça en tuant tout le monde. Que... Si vous avez des problèmes, les gens, tuez tout le monde. Voilà. Hein. Comme ça. Ça règle tous les problèmes. Ah, c'est bizarre quand même. Ah, mais c'est bizarre. D'où pas Bane. Tout d'où pas Bane, hein. Non, pas Mimiki, il me bouffe. Tu vois, Mimiki, qui se fait. Regarde ce qu'il fait, Mimiki. Voilà, il me bouffe. Non, oh, laissez-moi tranquille. Ah, il fait un mort de dégâts. Oh. J'ai pété. Oui. Ah, mais j'ai un truc tout pourri, c'est normal. Fais anti-trophée, hein. Non, c'est même pas ça, je vais prendre. Un badass. Wario Man. Bon. Bon, on est perdu. On est perdu, ouais. Bah, c'est les bois perdus, hein. Ouais, ça porte bien son nom. Ah, dégâts intempestifs, c'est pour ça que je me suis fait tuer. Ah, oui, non, c'est. Dépêche-toi avant que Mimiki revienne. Hein.
Ultra Smash. Bon allez, faut trouver où c'est. Là c'est bon, on a tout battu. Trophée de Grimari. Mais ce qui est bizarre, c'est que moi je sens que c'est par là, ouais, mais aussi, je peux pas y aller. Là c'est par là, tu vois, et je peux pas y aller. Je comprends pas. En fait, je sais que c'est un chemin caché, j'ai bien compris, mais le problème c'est que il est où? Bah, relis ce qu'il dit, le petit totem. On va aller tout en haut. Relis ce qu'il dit. Est, sud et encore vers le sud, le chemin invisible t'apparaîtra. Est. Est. Donc vers la droite. Est. Tu vas parler à lui? La jeune fille qui attend. On l'a vu, c'était tout du début. Non, mais ça, tu remontes. Ah, donc en fait, on arrivait par là, peut-être. Attends, est-ce qu'on arrivait pas par là, justement? Non, c'était bloqué. Je pense que c'était bloqué parce que tu pouvais pas y aller là. Si, c'est qu'on a hésité entre les deux. La lame purificatrice fendra les ténèbres. Ça, c'est le Master Sword, bien évidemment. Oui. Parce que là, en fait, si on arrive par là, par exemple. Mais là, ça restera toujours l'est. Mais regarde. Est-sud et vers le sud. Est. Donc, déjà, là... c'est à droite là. La droite. La droite. Est. À droite encore. Non, est. Ah, sud. Sud. Et encore vers le sud. Ben voilà. Hey, parce que j'ai fait le bon chemin pour y aller. Il était pas tout à l'heure, celui-là. Fallait partir d'en haut en fait. Partir d'en haut, d'accord. Oh, c'est trop bien! Nord, ouest, nord et encore le nord. Nord, ouest, nord, nord. Nord, ouest, ouest, nord, nord et nord. Nord, ah oui. Ah, c'est trop stylé! Non, mais c'est génial! Ah, voilà. Du coup, ça rien, on trouve ça rien comme dans Les Voies Perdues! Ben oui, la jeune fille t'attend. Et c'est comme Impa, la demoiselle qui s'occupe du château te sauvera ou je sais pas quoi. C'est ça. C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est super bien fait quoi. Ouais, c'est hyper bien fait. Dommage qu'il n'y ait pas plus de cinématiques, hein, je le rappelle bien évidemment, mais c'est très très joli. C'est très très bien fait, c'est vraiment pas mal. Et vous avez vu, on le voit même pas quand ça débloque. En fait, si tu peux pas y aller, si tu peux pas y aller si tu passes pas par là. Oh, au revoir Marie. Attends, attends. Bien joué. Du coup, ça va mener où? Parce qu'il y a le perso aussi au-dessus que tu peux débloquer. Mais du coup, tu peux pas. Ah, elle va débloquer le rocher. Le. Pas le rocher, le. Ou le bois. Le bois. Ta-da-da-da-da-da-da. Franchement, c'est stylé. C'est trop stylé. Franchement, c'est stylé. C'est vraiment stylé. Ça rend pas mal. Link enfant. Ah ouais. Et ça va sûrement débloquer autre chose. Puisqu'il faut Link enfant et ça se trouve... Ah, ça aurait été trop stylé qu'il fasse ça. Qu'il fasse Link pour... un Link pour débloquer la Master Sword. Ouais. Genre non, Link enfant et quand tu vas vers la Master Sword, tu débloques Link adulte. Parce que du coup, quand il retire l'épée... Non, Link adulte, j'ai vu où il était. Ouais. Il n'y a pas moyen. Ça fait mal ça, ouais, un ça petit. Hein. Du coup, il y a la musique tout le long. On est déjà perdu. Hein. Lui, il a trouvé son attaque. C'est deux attaques. Il est rapide quand même, fait l'affaire de deux proches. Ouais. J'ai fait une attaque dans l'autre sens, j'ai eu le temps de faire dans l'autre sens. Ah, mais du coup, tu penses que Link enfant ça débloque un truc? Bah oui, c'est normal. Ça a débloqué. Bah. Le courage. Parce que c'est Link enfant qui a la triforce du courage. Ah oui. Non, mais attends, c'est super. Super. Et là, on va battre Ganondorf qu'on va débloquer pour avoir la force.
Donc t'as vu qu'aller à la Master Sword. Par contre, il y en a un qui est là-haut. T'as vu? C'est bizarre, hein. Il y a un personnage qui était tout là-haut, là. Ah oui. Ah oui. Mais c'est bizarre, parce qu'il est vraiment perdu. Ouais. Je sais pas comment on y va. Bah là-haut. Je vais faire ça. Cloud. Cloud. Rien à voir. J'avoue, je suis un peu déçu quand même. D'accord. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est perdu. T'es perdu, mec, c'est pas la bonne série. J'ai faim. Mais oh, arrête. Bah, Ganondorf, et après tu pourras aller manger des chips. Du coup, on va essayer le. On va essayer les. Oui. Pardon. On va essayer le Celebi qui donne 3 pour voir, ah si, oui, ça pour voir si ça soigne plus ou moins bien. Mais t'étais pas obligé de le faire, Cloud. Ah si, tu pouvais aller par au-dessus. Mais non, la Master Sword. Oui, mais tu peux aller par au-dessus. Non. Ah oui. Ah, mais attends, il y a tout en haut aussi qu'il faut débloquer. Hein. Ah bah, Cloud, en plus, on l'a pas. Ça a débloqué dans le mode. Mais si, on l'a eu hier. Ah non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Ah si, je l'ai eu. Mais si, tu l'as eu hier. On l'a dit en début de vidéo. Ça. Mais il y a toute la zone au-dessus aussi, hein, qu'il va falloir débloquer. Hein. Et donc, ça va débloquer les ténèbres. Et tu t'es obligé d'avoir la Master Sword pour fendre les ténèbres. Là où il va avoir le boss Ganondorf. Enfin, ou le boss, le fléau. Ou là où il y a la Triforce. Au-dessus. Oui, mais je sais. Oh, mais c'est encore super. C'est méga complet. Tu penses que tu vas l'avoir? Ouais, c'est bon. C'est trop stylé. Cloud fait son entrée. Ça fait l'inferno. Sacré jeu, hein. Ouais, sacré jeu. Fait l'inferno qui va tirer la Master Sword. C'est la Trevor sur un géant! Oh, j'ai même pas capté! Oh, mais c'est génial! La lumière de l'épée de légende repousse les ténèbres. C'est la Trevor! C'est pour ça qu'on pouvait pas voir en grand? Oui. Pour pas qu'on sache, oui, que c'est avant Rune. Ouais. J'avais même pas capté que c'était la Triforce. Moi non plus. Donc là, le village de Zelda, on a eu la Triforce de Zelda. Le bois perdu avec Link, on a eu la Triforce de Link. Et on va aller dans les ténèbres pour récupérer la Triforce de la Force. De la Force. Ah, punaise, mais vous avez vu le contenu, quoi? Si franchement ça se vous convainc pas d'acheter ce jeu, je ne comprends rien. Ça vous convainc pas? Après, si vous êtes pas fort, faut le faire en mode facile. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est incroyable, les gens. Vous pouvez pas dire le contraire, quoi. C'est incroyable. On va être surpris. Incroyable. En fait, on va être surprise en surprise. Non, mais vous vous rendez compte, vous pensez que c'était fini après Killer. Et là, t'as la Triforce qui apparaît, oui, et tu dois battre. Non, mais même le château de Castlevania. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Non, mais limite, la deuxième partie est encore mieux que la première. Ouais, elle est mieux. Je suis désolé, mais elle est mieux. Entre Castlevania et Link, déjà, ça fait tout. Oh la vache! Le chemin de l'adversité passe par l'escalade. Donc, on vient faire 3 vidéos. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas voir, mais c'est logique, du coup, c'est pour montrer la Triforce. Ah, la vache! Bah, vas-y, on va continuer un peu quand même. Faut mieux faire l'autre. Ouais, il y a Megamutu Y. Ouais, et puis il y a moi. Megamutu Y, vétéran. C'est ouf, gudin! Mais vraiment, hein. Bah, c'est tout sur l'univers de Zelda, quoi. Ouais. Non, mais c'est hyper beau, quoi, hyper bien fait, c'est génial. C'est dommage, pour le coup, c'est pour ça que je dis que ça reste petit, en fait. Tu vois pas trop de détails, t'as honte de pas avoir le temps de tout voir et de dire « Ah ouais, c'est stylé », mais en même temps, ça passe trop vite, tu vois. Ouais, mais du coup, d'avoir fait des mondes, en fait, contrairement au premier monde, on va dire, entre guillemets, là, t'es vraiment dans une sorte de donjon qui dure vraiment très longtemps, donc t'as le temps de savourer. Contrairement à l'univers, par exemple, où t'avais les points de charge, ouais, ça a été assez rapide. C'était quand même très rapide, oui. Là, t'as vraiment... Le Castlevania, c'était ouf. C'était long. C'était long. C'était bien. Ouais. Là, c'est pareil, c'est long et c'est bien. Là, on a le temps de se dire... Ah, c'est génial. On a fait la première vidéo, on a passé quoi, 30 minutes dedans, on fait « Ah, c'est stylé et tout, Zelda ouais. !» Et puis là, « Oh, mais c'est la Triforce !» Ouais. Et puis après, il faut aller vers les ténèbres, t'as la Master Sword qui s'enlève et tout. Ouais, c'est incroyable. Tu me demandes bien ce que ça va être le dernier. Donc là, ça va être un... Ah, c'est très fort ici. Bon, on va faire le côté très fort, parce que nous, on est très fort. Désolé. Engagé.
Les orques à Guillaume. C'est Guillaume à fort. Oui. Guéridon. Oh là là. C'est qui? Elise qui est en bas. C'est vrai que c'est pas un légende. Bouclier paraît facile. C'est incroyable. Ouais. C'est vraiment incroyable. Je pourrais prendre Link enfant. Je suis moins fan de Link enfant que de Link. Juste pour vous dire. Pour mon info personnelle. Ah bah j'ai déjà fait. Ah tu l'as déjà fait? Oui. Ils sont forts. Ah mais c'est Xenoblade. Le personnage là au milieu. Ouais. Si tu fais des bêtises aussi mais... Ah oui ils ont l'air d'être forts. Bah c'est les gens là. Du coup je fais... Ah t'as une bombe. On félicite Guillaume qui fait la même bêtise au moins 6 fois de suite dans la vidéo. Je peux mon attaque. Hein. C'est n'importe quoi. Quoi? Oh, elle se transforme. Quoi? C'est bon, c'est bon. Quoi? Elle posait quand sa bombe? Je sais pas. Je sais pas comment on est petit. Mais. Mais j'étais pas mort de toute façon. Hein. Mecha Fiora, donc non, j'ai pas dû l'avoir celui-là. Non, nouveau, non. Non, non, nouveau. Non, non, ça me disait rien. Mais il était dur en celui-là. Il était dur celui-là, ouais, vraiment. Bah, déjà, quand t'es un contre 2, généralement. C'est un peu plus dur. Ouais, puis là, il n'y avait pas de anti-gel, ouais, de brouillard. Et puis le niveau était chaud. Oh là 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 là. Ça a débloqué un personnage stylé, je pense. Anti-changement de gravité. Donc là, ça peut être plus facile. Normalement, ouais. Ah, bah, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait aussi. Ouais, j'ai déjà fait. Le plateau est pas mal. Ah, oui, je me souviens. Ah, mais le trophée est énervant, non? Oui, le trophée est horrible. Le trophée est vraiment horrible. Faut que je prenne un anti-trophée. Un anti-trophée, ouais. Oh! Bien joué! Ah, mais c'est stylé ce que je viens de faire. Genre, ouais, je l'ai bloqué, ouais. Je l'ai attrapé, je suis remonté, j'ai fait un move et lui il est tombé. Voilà. Bon, bref. Et donc, du coup? C'est un peu relou ce studio. Je pense que ça c'est pas mal déjà. 4h40. Ah, voilà, il faut ça pour avoir un truc. Quoi? Mais c'est quoi le rapport? Non, mais non, mais 4h40, oui, il faut tout oui. débloquer pour avoir ça? Ouais, pour avoir ça. Et regarde ça. Je pense, si je me trompe pas, et que je reviens là, ça a sûrement débloqué un truc. Ah, tu penses que c'est là? Ouais. Bah, je vois pas. Mais c'est un truc bonus alors? Ouais, je pense. Je pense que c'est méga bonus de la mort. Donc 4h. 1. 2, 3. Non, c'est 3, ça c'est 15. Oui, ça c'est le truc qui apparaît. Non. Si, si. T'es sûr? 4h40. Oui, oui, on l'a déjà eu ça. Mais t'aurais pu aller dans l'autre sens, c'était plus rapide. Alors, vite. 30, 35, 40. C'est pour un perso. Tout ça pour ça? J'ai moins envie de le faire. Bon, on va le faire. Ah, il était relou, Ryu. Bah, fait la fin de était. Je le maîtrise pas assez pour ce genre de personnage qui est pas du même type. Ouais. Si, le Boxer Me, c'est stylé parce que tu vas pouvoir mettre le truc Nintendo. Nintendo Labo. Comment j'ai fait mon truc et c'était stylé? Ouais, j'avoue, c'était beau. Et je l'ai grave, je suis allé jusqu'en bas avec lui. Je suis allé jusqu'en bas avec lui et j'ai eu le temps de remonter. Ah, c'est... Non, mais attends, ça veut dire qu'il faut tout faire ça pour débloquer le Boxer Me. Ouais. Il y a un personnage quand même. Bowser. Bowser Junior. Tout ça pour le Boxer Me, bah dis donc. Qui s'en fout de Boxer Me?
Bah, surtout dans l'univers Zelda, en fait, c'est ça, ce qui est dommage. Ah, mais parce qu'il n'y a pas assez de personnages. Ouais, mais ils auraient dû mettre Link après, dans ce cas-là, et Shake et tout. Ouais, après. Mais non, parce que Link, il est dans le village de Zelda aussi. Voilà. Bon. Il y a un chemin après. Ah oui, il y a un chemin après. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est quand même important. Donc, ça se trouve, il faut trouver une heure aussi pour débloquer le truc là-bas, ou il faut trouver quelque chose. Ah, peut-être. Il est bien, lui, à jouer. Il a Ah bah ça l'est bloqué dans le jeu, on l'a pas. Ah oui, bah c'est un des personnages qui nous manque, ouais. Donc on va voir tous les persos qu'on joue en Smash. Là. Ouais. On pourrait faire du classique à deux. Hein. Bien joué. On pourrait faire du classique à deux, le problème c'est qu'on aura crème à la fin, donc ça c'est très nul, mais bon. Je pense que ce sera plus intéressant de jouer à deux quand même. On verra tout ça. Bah on verra, on verra. Ou alors sinon on fait du montage, c'est-à-dire qu'on fait le classique à deux, et la fin je fais tout seul, et ça sera le pré-enregistrement de... Oh, ah c'est pas fini, hein. Non mais ça pète ça. Donc du coup on va aller en haut directement. Ouais. T-Rex. Qu'est-ce qu'il est moche celui-là. Est-ce qu'on va jusqu'au boss quand même ou pas? Ouais, je pense qu'on va s'arrêter parce que le problème c'est que là il y a trop de contenu et genre on veut faire une vidéo, on veut faire des grosses. Ah c'est la parade la ceinture fusée en fait. Bah ouais. Ah mais tu le gardes partout le temps. Tu fais mal un peu Yoshi Yoshi. Ah non, mais c'est bon. Ouf. Bah les ceintures fusées. C'est énorme, je pourrais faire ça. Je mets la ceinture fusée tout le temps et quand je fais mon smash. Vas-y, vas-y, lance et puis on va s'arrêter là, je pense. Ah, mais je crois que j'ai trouvé un truc. Faut que j'essaye. Oui, bah t'essaieras ça en vidéo. Ah, faut que j'essaye là. Non, tu vas pas retourner jusqu'à Bowser. Non, il va pas Bowser là. Oh là là. Oh on va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter là parce qu'il y a encore beaucoup de choses rien à faire. Mais la place Mi Street Pass. Attends, mais c'est quoi tout ça? Oh la vache. Et donc, attends, il y a à droite aussi. Hein. Et là, mais là, c'est ce qu'on aurait pu faire mais qu'on n'a pas fait du coup, je pense. Le trésor de la forêt mène à les pays porteurs de la marque. C'est ça le truc qu'on n'a pas. Ouais. Bah du coup c'est Zelda. Bah non, on l'a déjà Zelda. Bah c'est enfin Link, pardon. Bah non, Link il est pas là. Je vais juste essayer un truc. Par utilisation récente. Je vais essayer un truc. Si je peux sur cette map, je vais essayer un truc. Parce que ça, c'est pas mal quand même. Ah, je peux pas. C'est dommage. Ah, si, je peux. Oula. J'ai pas eu. Je l'ai pas eu. En fait, faut que je le grappe avec cette attaque et. Voir si tu peux le grab en hauteur comme ça. J'ai mes ceintures fusées. Victoire. Donc, j'ai pas réussi à faire ce que j'ai fait. Ben, vous l'aurez vu dans la vidéo. Mais donc voilà. Donc là, je voulais juste vérifier si c'était bien le chemin qu'on aurait pu prendre. Guillaume, il veut toujours vérifier tout. Ah non, mais si c'était bien le chemin qu'on aurait pu prendre, et effectivement c'est ça. Ouais. Voilà, c'est le chemin qu'on aurait pu prendre. Donc là c'est un chemin qui chemin sert à rien. J'ai l'impression que par là-bas ça pourrait se débloquer, et donc en fait c'est tout en haut de la Triforce, on voit bien, on vient. Il y a un coffre à droite à débloquer aussi. On va en haut du triangle, et. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Faut pas hésiter à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo des Gameki. Allez, salut!